droit à l'emprise du mauvais œil. Plus quelqu'un il se découvre, et plus le mauvais œil l'attaque. C'est quelque chose qui vient de la faute d'Adam Harishon. C'est vrai qu'avant la faute d'Adam Harishon, il n'y avait pas besoin de se couvrir. Mais ça, c'était avant la faute. C'est quelque chose qu'on ignore. On ne sait même pas du tout ce que ça veut dire. Mais après la faute de Adam et Chava, qui a eu l'emprise du mauvais œil, on est obligé de se couvrir. C'est quand on se couvre, quand on s'habille, c'est pour se protéger du mauvais œil. On s'habille pas parce que pour telle raison ou telle raison. On s'habille justement pour se protéger du mauvais œil, pour que le mauvais œil, puisque maintenant on est devenu sensible au mauvais œil depuis Adam et Chava, donc maintenant on se couvre pour pas que le mauvais œil nous fasse du mal, pour pas qu'il ait une emprise sur nous et qu'après il nous donne Chas v'Shalom un mauvais cœur et la rage et la déconnexion de la Emouna et de la Tfila et tout ce que ça entraîne par rapport au Tikkunim qu'on a dit avant. Donc voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan aujourd'hui, les conseils qu'il nous donne. Donc il nous a conseillé dans la nourriture de faire attention à la nourriture, c'est-à-dire quand on va manger, de faire attention à la qualité de kashrout, c'est-à-dire de connexion de la nourriture, de manger dans la kashrout, c'est-à-dire de manger dans la connexion avec Hachem, de manière à avoir un bon cœur et avoir envie de faire le Birkat Hamazon, c'est-à-dire avoir envie de remercier Hachem, que la nourriture, elle nous donne bon cœur, qu'elle nous donne de la joie, qu'elle nous donne envie de parler avec Hachem, qu'elle donne instinctivement une envie de prier. Et il nous a dit aussi pour les vêtements de faire attention, parce qu'aujourd'hui, les vêtements, c'est une protection. D'ailleurs, Rabbeinu, il parle de ça. Rabbeinu, il était très makpid que les vêtements, ils soient pas déchirés ou ils soient pas troués ou des choses comme ça. Parce que Rabbeinu, il dit que le vêtement, en fait, c'est comme une cuirasse qui protège du mauvais œil. Et si maintenant, dans une cuirasse, il y a des trous, alors les balles ou les flèches ou les trucs qui peuvent rentrer à travers ces trous-là. Donc Rabbeinu était makpid que les gens n'aient pas des vêtements déchirés, qu'ils ne mettent pas des vêtements déchirés. Et tous ces gens qui mettent des trucs à la mode, là, des jeans ou des trucs avec des déchirures, il faut savoir que ça fait extrêmement de mal à l'individu, parce que ça donne une emprise.